Hello, salut à tous. Aujourd'hui dimanche 5 février, je vous embarque avec moi cette fois-ci pour une semaine complète. En tout cas, j'espère. Ça sera vraiment un weekly vlog, vraiment une semaine avec moi. Matin, j'ai démoli les poils de cannelle. Elle avait pas mal de nœuds parce que faut savoir que mardi matin, très tôt, j'ai rendez-vous à 6h45 au salon de toilettage, un tout nouveau salon que j'ai trouvé. J'ai pris mon temps ce matin pour démêler les poils de Miss Canoule. C'est bien beau d'avoir un Shih Tzu, mais c'est beaucoup de boulot. On doit, j'ai mis ça à l'aise parce qu'on doit aller en promenade et regarder. Regardez là. Comment le peigne passe bien. Semaine, j'ai décidé de filmer parce que c'est la dernière semaine avant les vacances pour les enfants. Il y a des thèmes tous les jours. Du lundi au vendredi, ma fille aura, elle a des thèmes à l'école, en général en Martinique. Les enfants, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. En fait, ils se déguisent tous les jours, du lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ou dans certaines écoles, ils se déguisent uniquement le dernier jour d'école avant les vacances, soit le vendredi. Voilà, là c'est plus clair. On arrive en période de carnaval en Martinique. Donc, moi, je suis pas très carnaval parce qu'il faut savoir que le carnaval a deux aspects. Il y a un aspect que j'aime qui est la beauté des costumes, voilà, les parades, l'élection des reines, des communes de Fort-de-France, tout et tout, de toutes les villes en Martinique. Mais l'autre aspect que je n'aime pas du tout, c'est la vulgarité, la débauche. Et ça veut dire que même si les autres années, j'emmenais ma fille voir les parades, parce que c'est très joli, comme je vous ai dit, les déguisements, c'est vraiment magnifique, des groupes à pied, des reines, donc il y a des gens qui font de très belles choses, mais tout au long de la parade aussi, tu peux trouver des gens, on voit tous leurs attributs, non, non, c'est pas possible, quand tu viens avec ton enfant, c'est pas pour que ton enfant puisse voir un homme dénudé, avec voilà, homme ou femme, non, il y a un certain respect à avoir, et c'est l'aspect vraiment que je n'aime pas, en tout cas, du carnaval, c'est cette des fois débauche là, des fois qui se respectent pas, qui respectent pas leur corps, mais on voit de ces choses incroyables. Et j'espère que cette semaine vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue au nouveau. Moi, c'est, j'aurais dû commencer par là. C'est Séverine. J'habite en Martinique, voilà, dans l'archipel des Caraïbes. Entre l'Amérique, parce qu'il y en a qui connaissent pas, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, voilà. Je vais vous mettre une petite carte ici pour savoir. Et je vis avec ma fille qui a 10 ans, Elena, que vous avez déjà vue en vidéo. Vanessa Ness, qui est plus sur TikTok, que vous pouvez la retrouver, Ness 0307. J'ai deux frères. Et voilà. Donc, je suis une TikTokeuse à la base. J'ai commencé sur TikTok en quelle année? 2020, je crois. Hein. J'ai décidé d'essayer de venir sur cette plateforme YouTube parce que j'aime beaucoup regarder les vlogs. Et puis je me dis pourquoi pas changer de format pour peut-être retrouver ce plaisir, cette envie de filmer. Excusez-moi, cette envie de filmer, de... Voilà. Donc je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc mes vlogs ne sont pas parfaits. Du moins, je ne cherche pas la perfection, mais je sais qu'il y a des problèmes au niveau du son. Lors de mon premier vlog à Punta Cana, c'est mon premier vlog que j'ai démarré sur YouTube, vous savez, en décembre, en fin décembre 2022. Donc, ça fait vraiment pas longtemps que je suis sur la plateforme. Et donc, je sais qu'il y a certains vlogs qui ont des problèmes de son. Allez, je vais promener Miss Cannelle qui m'attend, qui m'écoute parler depuis tout à l'heure, la pauvre. Cannelle, on y va les deux? Bonjour. Alors, Elena, ça fait pas longtemps qu'elle s'est réveillée, ça fait à peu près 5 minutes. Et là, elle prend son petit déjeuner, du moins, comme elle n'a pas faim, elle prend juste un petit gâteau. Parce qu'il faut savoir, dans son école, ils ne peuvent pas prendre de goûter à la récréation. Il est 7h15. Ouais. Alors, je suis prête pour aller au boulot. La machine vite. We dance, we dance, we dance, we dance.
6, je fais en haut ou en bas? Tu fais en haut. Oh. La dernière fois en bas. Mais en bas. Arrivé en ville pour le tissu. Là, c'est. Je vais aller voir là. Je vais voir dans ce magasin si. Mais je connais pas trop les prix. Voilà. Donc je demande ici à le tissu. Ça pour le carnaval, ça. Il y a des gens qui font de super beaux costumes, déguisements. Regardez ça, comment c'est beau. Là pour un autre magasin, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je vais voir. Dans un autre magasin de tissus, là, je suis à... Elle m'a dit, c'est pas là, hein? Mais non, c'est pas là. C'est pas là. Mais non, il n'y a pas de truc de tissu. Mais non, c'est pas là. Il va avec ses 70 cm, c'est pour savoir. Il va en rester que ça. Et tu veux qu'elle 2,50 m, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu négocies avec elle, je sais pas. D'accord, comme ça, c'est en fonction du prix. Ouais, c'est ça. Prends la photo quand même pour elle, en cas où. D'accord. Ok. On est dans les embouteillages. Ah ouais, là, on passe à la galerie pour regarder une ceinture pour Elena pour le déguisement de mercredi. On va regarder aussi les chaussures à 100 000 chaussures. On prend tout ça d'embouteillage parce qu'on doit aller à Ducos pour emmener le tissu pour la couturière. Oui, et les nanas payent à la danse classique ce soir. Elle m'a dit qu'elle a mal aux jambes. Est-ce que c'est vrai? Elle ne voulait pas aller à la danse. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, comme si nous avons une danse. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. Donc c'est la première fois qu'elle y va. On va voir ce que ça donne. Et là je rentre à la maison préparer Miss Elena parce qu'aujourd'hui le thème du carnaval c'est rouge. Donc let's go. On rentre à la maison. On fait vite. T'as plus mal au ventre? I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you.
for you. Midi 5, on se retrouve. Oui, je sais avec maman parce qu'il n'y avait pas cantine. Ouais, parce qu'il y a grève. Voilà, il y a une grosse grève dans tout. Il n'y a ni cantine ni garderie. Voilà, donc ma mère est venue me chercher. Et donc, on se retrouve pour aller chercher cannelle. C'est parti, vous venez avec nous. Ouais. On ne sait pas comment cannelle sera parce que, comme j'ai dit à la dame de à la toiletteuse de couper un petit peu ses poils, je ne sais pas si elle a beaucoup coupé. Donc on verra, on verra. Ouais, j'ai peur de dire du résultat. Je regarde, en fait, au niveau des points, je regarde bien. C'est un massacre. Un top. Cannelle. Regarde. Maria a pleuré. Alors elle pleure toujours. Dessus. Non, elle pleure toujours. Dans combien de temps ces poils vont repousser? Je ne sais pas. Non, massacre, Léna dit. Massacre. Regardez comment on a massacré. Moi, j'aurais dit ça à la dame. J'aurais dit, excusez-moi, vous avez massacré ma chienne. Non, mais vraiment, je ne suis pas contente. Ah, je verrai. C'est vrai? C'est vrai, elle a l'air d'être contente, hein? Oui, parce que pour elle, elle aura moins chaud, comme ses courants. Elle est pas belle. Oui, mais Séverine, pourquoi c'est trop? Mais ses cheveux en haut, pourquoi? Mais attends, comment ça se passe? Regardez ça. J'ai payé, j'ai dit dans ma tête, vous n'allez plus jamais me revoir, jamais. Jamais, jamais, jamais. Regarde ma cannelle. Et quand on regarde, elle était jalouse de cannelle. Dans quel état j'ai retrouvé cannelle? Je suis vraiment déçue. Je viens faire. Ma sœur a dit, vous avez vu dans la vidéo quand j'ai appelé la Maria, elle a fondu en larmes tellement qu'elle est très triste. Et franchement, en plus, c'est fait rien que de se gratter. Et vous savez, je vais la rebaigner, je vais arranger ça. Ses oreilles, c'est la dernière fois que je l'emmène là, elle ressemble à rien. Regardez, vous avez vu ce matin comme elle était belle quand je l'ai déposée le avant. Je suis vraiment embêtée parce que quand j'ai refait le shampoing de cannelle et quand j'ai fait son shampoing, j'ai vu deux tiques. Donc j'ai été en urgence chez le vétérinaire pour acheter de l'antipuce. Donc elle m'a donné deux comprimés, j'ai quand même payé 26 euros. Donc la prestation m'a fait 40 euros. Plus la débourser 26 euros, plus j'ai acheté du bégon. Elle m'a dit, heureusement, si j'en ai vu que deux, c'est bon signe qu'il suffit de mettre du bégon et ça ira dans la maison. Mais là, je vois qu'elle se gratte. Elle m'a dit que peut-être c'est dû aussi à une allergie, qu'elle a fait une réaction allergique au produit. Et là, je vois que, regardez, elle se gratte. Je vous montre, ça m'embête vraiment. Je suis, oh, j'ai pas besoin de ça, nettoyer toute la maison de fond en comble. Et en plus, c'est pas de regarder comment la dame a travaillé. Cannelle, viens voir maman. Viens. Histoire de cannelle, là, je viens d'essayer d'arranger sa coupe. J'ai raccourci au niveau de ses oreilles. J'ai coupé, j'espère que c'est quand même mieux, je trouve. Là aussi, j'ai dégagé, j'ai coupé. Et puis, comment vous dire, là, je suis vraiment... Regardez ses pattes, même pas bien coupées. Attrapez aussi sa queue, j'ai coupé un peu plus court. Regardez ses pattes. Elle m'a dit de ramener, elle a proposé qu'on ramène cannelle à 17h. Mais j'ai dit à Vanessa, non, il est hors de question quand je ramène cannelle dans un endroit comme ça. En plus, je m'en veux énormément parce que c'était un endroit. J'ai vu que c'était pas très propre. Quand je suis arrivée, il y avait des crottes. Mais bon, comme je suis arrivée hyper tôt vers 6h30, donc je me suis dit, bon, peut-être ils n'ont pas eu le temps de nettoyer. Qu'on a récupéré cannelle, ça sentait. Les nanas ne peuvent même pas rester dans l'odeur, dans le salon de toilettage. Mais non, c'est pas possible. Un salon de toilettage qui pue comme ça, mais non.
jour, aujourd'hui, mercredi, combien? 8 février. Ce matin, je vais appeler la dame du salon de toilettage pour demander un remboursement, comme je vous ai dit hier soir. Déjà, je regarde Canel ce matin, je me dis, mais non, c'est pas possible, comment on l'a massacré, la dame aurait pu changer de métier. Parce que les poils arrière, les pattes arrière et les pattes avant n'ont rien à voir. C'est parmonieux, c'est coupé n'importe comment, mais non, 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 non. Demi Selena qui s'est levée, elle a le nez bouché. Elle est là. Ah, c'est parti, on va aller tout derrière. Ah ben, let's go pour le boulot. Là, il est 8h24, je fais vite, c'est la première fois que je pars en retard comme ça. Je commence à 8h30, mais c'est tout prêt. Mais il faut bien dire, c'est parti. Hello. Il perd. Elle, wow. C'est du blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, que j'ai assaisonné et fait revenir avec des wraps au blé complet. Voilà, wrap au blé complet extra moelleux. Ça, un peu de salade mélangée, un peu de sauce barbecue, légèrement. Voilà, c'était la danse de mercredi pour vendredi. Jobi Joba avec l'interprétation de Mercredi à danse. Je pense qu'on tient là un spectacle. C'est que ça de... Bon, ça reste pas bien fermé. Bon. Et voilà. C'est bon? Mmh. Je voulais prendre les trucs. Bonjour. Alors, on se retrouve en ce jeudi 9 février. On est un peu en retard parce qu'il est 8h03. Ah, mais c'est bleu. Attends, je vais te faire une photo. Il faut garder les souvenirs. Une photo. Ah là là. Bon, je l'ai déposée. C'est bon, elle a pu rentrer à l'école, bien si c'est bien. Ouais. On se retrouve tout à l'heure, à midi. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de récupérer. Donc, il y a un ami à moi qui va récupérer mon colis où il y a les chaussures d'Elena pour demain, si tu veux, la mèche pour faire mercredi, pour le déguisement de mercredi. Et puis des petites choses que j'avais commandées aussi sur le site Cricut. Récupérer le costume d'Elena de mercredi, le déguisement auprès de la couturière et puis la coiffer déjà pour prendre de l'avance, puis faire déjà les deux nattes. J'ai acheté les rajouts, les deux longues nattes et puis voilà. On se retrouve pour un petit mid-check. C'est parce que j'ai très mal à la gorge. Du coulis bridge avec la commande d'Elena. Attention pour rien. Attention, Elena, pas te blesser. Non, non, c'est bon. Ah. Ah. Et hop, on découpe. On va découper dans la petite. Quelles chaussures qu'on a pris déjà? Ah oui, produit. Les petites chaussures là. Wow, vas-y. Et bien, c'est tout. Ouais, c'est tout pour toi. Parce qu'on avait déjà fait une commande. Waouh, c'est joli. Wow. Oui, oui, oui.
on est hyper à la bourre. On a fait 2 TikTok. Vous pouvez aller voir sur mon compte. On a récupéré la robe, Elena. Hein. Ce n'est plus Elena, c'est mercredi. Montrez la robe. Mercredi, excusez-moi. Et là, on est en retard. Il est 8h pratiquement. Écoutez, c'est carnaval. Hein. Hola, bonjour. Comment estás? Estás bien? Aujourd'hui samedi, je vais au boulot. Ah, j'ai pas mis de rouge à lèvres, rien. Même un petit gloss, j'ai complètement oublié. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui samedi, ça va. J'étais un peu malade. Je suis toujours malade. Là, j'ai pris du Doliprane. Hier, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'étais vraiment mal. Aujourd'hui, je vais pas dire que ça va mieux. J'ai pris des médicaments hier soir, ce matin encore, donc c'est pas évident. En plus, quand tu travailles et que tu es malade, c'est vraiment dur. D'ailleurs, pour le travail, là, je suis en période d'essai, donc ça fait pas longtemps que je suis arrivée, donc je vous en parlerai. Je vous parlerai un peu plus, je vous donnerai quelques détails concernant l'activité professionnelle que j'exerce. Ah, let's go. Là aujourd'hui, donc je vais au boulot, je finis à midi. Il y a un vide-grenier dimanche. J'irai acheter des petits trucs, des petits sacs pour mettre mes créations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, là j'y vais parce que même si je suis tout prêt, je suis pas en avance. Et hier, Elena a gagné le concours du meilleur déguisement. Je suis trop contente. Il y avait 18 participants et elle a gagné. Elle a reçu une pochette avec des produits Yves Rocher, elle a reçu des petits stickers phosphorescents. J'étais trop contente. Après, même si elle n'avait pas gagné, je trouvais que franchement, son costume était top. La dame du salon de toilettage, elle m'a jamais recontactée. Donc, je me demandais, est-ce que je laisse pas ça tomber? Et puis, ah oui, j'ai profité aussi pour filmer quelques images que je vous mettrai là du carnaval. Les enfants, ils sont trop mignons, trop choux, déguisés comme ça. J'ai vu les maternelles près de l'école de ma fille. Et puis, ah non, c'est trop beau quand... Puis, c'est très coloré, c'est très, 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 très beau. Je vous mettrai quelques images pour voir, voilà, le carnaval en Martinique des écoles. On y va. On part acheter un sac pour les créations de maman et on va à la galeria. C'est parti. Allez, ce soir, pour le truc, pour ça, ce qu'il m'a proposé. Oui, c'est ici. Attends, Elena, s'il n'y a pas de promotion, tout ça. Ah, mais il y a l'étiquette, Vanessa. Non, c'est pas vrai. Allez, Elena, toi qui danses pas en toi, arrête de faire la tue. Cause I did win by default and without any doubt, though. I'm a me, I be a doubt, though.
and go feed the girl, and I go feed the girl is out. And my mind has to be tough. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. Oh. I know holy and I know that capo. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé le vlog. Vous avez fait un petit peu une semaine qui a été chargée, pleine de rebondissements et qui se termine là aujourd'hui dimanche avec un petit pied-poignet. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop vendu et j'ai dit que je n'allais plus en faire parce que j'étais tellement déçue de l'investissement qu'on donne et que des fois il n'y a pas le retour. Mais bon, ça arrive. Et puis là, on est en période de carnaval, les gens sont plus concentrés pour acheter leur déguisement. Et puis, ils vont beaucoup dans des soirées. Il y avait une grande parade à Fort-de-France hier soir qui s'est terminée très tard. Donc, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Et on se dit à bientôt pour un autre vlog. Gros bisous à vous. Bye.